Bien. En tous les cas, comme vous êtes la reine des recettes, je vais vous faire une interview recette. Alors, Julie, vous qui êtes si forte, pouvez-vous me donner la recette du gloubi boulga? Le gloubi boulga, on met tout dans la casserole, on laisse mijoter très très longtemps et puis on attend que ça colle. Ouais. Non, c'est pas ça. Si, si, c'est ça, mais on met quoi dans la casserole? Gloubi boulga, c'était. Alors, de la confiture de fraises, des bananes écrasées, des saucisses de Toulouse crues mais tièdes et de la moutarde. Je vais essayer. Donc, vous pouvez nous faire ça quand on ira chez vous avec Jean. Alors, on va faire plus simple. Quelle est la recette du sandwich au jambon? Sandwich au jambon, deux tranches de jambon et au milieu une tranche de pain, non? Voilà, très bien. On va faire plus utile maintenant, la recette pour séduire un mec. Bah justement, d'essayer de ne pas en avoir. Ah bon? C'est pas facile, hein, de ne pas verser dans le jeu et dans la comédie. Ouais. Mais peut-être de limiter les trucs au maximum. Ouais. Là, je suis tombée sur un qui aime ça, donc ça tombe bien, tant mieux. J'ai pur. Bien. Votre recette pour virer un mec? En général, au bout d'un moment, ils ont pris tellement de poids qu'ils finissent par s'en aller d'eux-mêmes. Après une dizaine de kilos en quelques années, d'accord. Ça suffit. Votre recette pour dire non le premier soir? D'abord, il m'arrive de ne pas dire non le premier soir. Ah bon? Ça m'est arrivé, pas fréquemment, mais ça m'est arrivé. Vous voyez à quel point cette émission est con, il suffit de dire. Il m'arrive de ne pas dire non le premier soir pour que toute la salle soit en délire. Il y en a eu d'autres qui vous l'ont dit, j'imagine, quand même. Non. Je suis donc la seule salope. Alors, votre recette pour refuser, imaginez que vous refusiez le premier soir. Je sais pas. Jean, aidez-la. Elle ne sait pas refuser, elle ne sait pas dire non. C'est tout Julie, ça. J'aimerais mieux pas me rappeler. Dernière question, la recette pour avoir votre numéro de portable. Mais c'est pas à moi de la donner pour une fois, la recette, là. Ouais. Maintenant, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Ouais. Comment on peut le trouver, ce numéro? Cuisiner, je sais pas. Je vais vous dire, vous m'avez tellement fait souffrir, là, que je crois que je vais le mettre aux enchères, votre numéro de portable. Et maintenant...